c'est le genre de bombe qu'on voit qu'en mirage. Les formes africaines, la chevelure scandinave. Elle fait le tour des magasins avec un air de bulle. L'air de dire pour ma voix, va falloir faire la queue. Personne la regarde dans les yeux, pas même le caissier. Mais quand qu'elle sort, tous les regards lui caressent le fessier. Et c'est ce qu'elle aime le plus, se balader comme des saints. Puis sentir sur elle les hommes pavés comme des chiens. Les autres femmes la détestent comme elles en ont peur. Elles ont raison vu que madame fait la collection des cœurs. Surtout les sensibles, c'est tellement plus facile à mâcher puis à recracher à l'entrée de l'asile. Son passe-temps c'est jongler avec les sentiments. Mais quand qu'elle s'écœure, elle les échappe sur un plancher de ciment. Elle rentre chez elle en se faisant cycler le cul. Avant de dire bonjour à son chum, elle demande tu m'aimes-tu. Ménage à trois, c'est juste une relation, stérile comme une couille après une fellation. Mais la routine a ses raisons que la passion ignore. Il y a toutes sortes de poissons tapis sous l'eau qui dort. Ménage à trois, c'est juste une relation, stérile comme une couille après une fellation. Mais la routine a ses raisons que la passion ignore. Il y a toutes sortes de poissons tapis sous l'eau qui dort. Lui, il traîne avec lui comme un trophée de chasse. Tu t'en approches, il te fait comprendre, tu t'es trompé de place. Mais c'est pour l'image, parce qu'avec elle, il est tout en bête. Il s'en sac, mais il agape parce qu'il joue dans tête. Il la regarde comme si il était avec elle par bonté. Ses yeux sans me dire, va donc te refaire une beauté. C'est presque une faveur. Quand il retrouve en dessous des draps, il n'a même plus envie depuis qu'il a trompe à tour de bras. Parce qu'une femme l'avait déchiré comme le Congo. Aujourd'hui son cœur est fermé comme un tombeau. Incapable d'aimer, par peur de s'attacher. Il s'entoure de femmes sur lesquelles il peut cracher. Et il s'en garde une de côté, ça peut servir en cas d'urgence. Ça fait beau dans l'appart pis ça meuble le silence. À part de ça c'est fatigant plus qu'autre chose. La vie c'est pas un film à l'eau de rose. Ménage à trois, c'est juste une relation, stérile comme une couille après une fellation. Mais la routine a ses raisons que la passion ignore. Il y a toutes sortes de poissons tapis sous l'eau qui dort. Ménage à trois, c'est juste une relation, stérile comme une couille après une fellation. Mais la routine a ses raisons que la passion ignore. Il y a toutes sortes de poissons tapis sous l'eau qui dort. Toi, t'es complètement fou d'elle. Puis dans la douche, tes pensées lui sont toujours fidèles. T'aimerais mieux te la baiser que de gagner la loto. Mais face à elle, tu peux bégayer comme un ortho. Pourtant, t'la connais bien. C'est la blonde à ton chum, même qu'elle t'appelle souvent. En fait, chaque fois qu'il se pogne, parce que t'es son confident. Quand t'es pas son chauffeur, son punching bag ou sa poubelle à se vider le cœur. Tu t'en fous tellement t'es fier quand tu te promènes avec. Tu penses que tout le monde t'envie, tu joues les peines à fleck. Mais en fait, t'as pas les couilles de dire ce que tu ressens. Tu peux jouer les gros bras, t'es juste un cure-dent. Tu trembles comme une feuille quand vos épaules se touchent. Mais tu descends ton nuage dès que le soleil se couche. T'as reconduit chez celui qui l'attend pas. Puis tu rentres le cœur détruit comme après un attentat. Ménage à trois, c'est juste une relation, stérile comme une couille après une fellation. Mais la routine a ses raisons que la passion ignore. Il y a toutes sortes de poissons tapis sous l'eau qui dort. Ménage à trois, c'est juste une relation, stérile comme une couille après une fellation. Mais la routine a ses raisons que la passion ignore. Il y a toutes sortes de poissons tapis sous l'eau qui dort.